Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, vous trouverez les astuces nécessaires pour réussir vos plats. Vous trouverez aussi des astuces pour mieux manger tout en dépensant moins. Lors de notre dernière vidéo, je vous avais montré comment concevoir votre propre potager et manger les légumes de votre jardin pour faire des économies et combattre l'inflation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai conçu mon poulailler pour élever mes propres poules pondeuses afin de consommer les œufs, ce qui me permettra encore de faire des économies au max. Nous allons suivre toutes les étapes ensemble. Là, je suis allée en magasin, j'ai acheté la paille et je vais étaler pour finaliser l'espace de mes poules pondeuses. Aujourd'hui, on est allé chercher les poules. Mais avant, je vais vous montrer tout ce qu'on a préparé pour les accueillir. Là, c'est l'abreuvoir dont on a rempli d'eau. Et je vais le retourner pour que ça soit prêt pour eux. Voilà, ils ont de quoi boire. Et là, c'est le mangeoire. On les a mis à manger dedans. Maintenant, je vais aller libérer les poules qui sont encore dans le carton. Voilà, là nous avons trois poules. Je prends. Elle est là, dans sa maison. Je prends la deuxième. Bienvenue à la maison. Là, j'ai déjà sorti trois, la quatrième poule est là. Et une petite surprise, j'ai pris un coq. Je vous dirai dans des prochaines vidéos pourquoi nous avons aussi pris un coq. Que j'ai mis avec Magic. Maman, quand j'ai donc là, nous avons lâché nos poules là, et notre coq bien sûr. Et ils sont à la maison. On va les observer, voir comment ils s'adaptent et leur présenter leur espace où ils doivent dormir. Il faut qu'on les habitue progressivement. Et leur espace de pompe. Avec le temps, ils vont s'habituer à chaque chose. Merci. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre notre aventure, découvrir l'ensemble de nos astuces. Je vous dis merci et à très bientôt.